Bienvenue dans un nouvel journal de danse. Aujourd'hui, je voudrais te parler de mon cours numéro 3 dans ma troupe de danse qui s'appelle Amigo Danza et qui est une troupe de danse dans laquelle on apprend à danser comme des félines et on apprend à mouvoir son corps comme des félines. Si jamais tu connais pas ce journal, sache que je t'ai fait deux premières vidéos. Une première vidéo dans laquelle je te parle de ce bloco, de cette troupe de danse, et je te montre des images de la troupe de danse. Et dans la deuxième vidéo, je te parle de mon premier, mon second en fait, cours de danse. Le troisième était tout aussi intéressant que le premier parce qu'en fait on a fait un exercice qui était génial et c'est de ça spécialement dont je voudrais te parler aujourd'hui. Donc pour commencer, on a fait des exercices encore tout simples pour être tout ensemble, pour se connecter les unes aux autres. Je t'en avais parlé dans la vidéo précédente. Ce sont des exercices où on forme une rueda, je crois que ça s'appelle comme ça, et on est toutes collées. Et en fait, on doit fermer les yeux, respirer tout ensemble d'une même respiration avec le même rythme et bouger. Et en fait, au fur et à mesure que la musique avance, l'idée c'est de faire des mouvements et de tout se suivre. Et au début, c'est des petits mouvements comme ça de va-et-vient, et puis après ça se transforme et on est sur des mouvements de danse. C'est assez incroyable à faire parce que je trouve que c'est une manière de se connecter, de former plus qu'une seule et même personne, et aussi de se faire confiance les unes aux autres. C'est une manière de se sentir parce qu'on est vraiment proches. Et c'est une manière d'être encore une fois dans cette relation très brésilienne de sororité, c'est-à-dire d'entraide et de partage entre les femmes. Ce jour-là, en fait, l'exercice qu'on a fait qui m'a beaucoup intéressée, c'était une sorte d'exercice d'improvisation. Le principe, c'est que Jessica et Bruna, donc les profs, nous ont demandé de nous mettre toutes les unes à côté des autres contre un mur et de s'avancer, de se mettre devant toutes les filles et de faire un pas de danse qu'on avait inventé. Moi j'avais un petit peu peur de ce truc là parce que c'était quand même assez impressionnant de se retrouver devant d'autres filles pour faire un pas de danse qu'on invente en plus de ça, sachant que c'est le début des cours, sachant qu'il y a des filles qui dansent depuis longtemps, qui savent super bien danser, machin. Donc j'avais vachement la pression et j'étais vers la fin de la ligne. Et du coup les filles ont commencé toutes à faire leur pas. Donc la première est venue, elle a fait son pas de danse, on l'a applaudi, elle est repartie. La deuxième machin, puis c'est arrivé à moi et moi j'ai dû faire un truc pété. Et puis après ça a été Mara. Et la deuxième étape de ce truc là, ça a été qu'on devait reproduire ce que les filles avaient fait avant nous. Donc on devait, la première devait revenir faire son pas de danse, la deuxième devait venir faire le pas de la première, la deuxième, la troisième devait revenir faire le pas de la première, la deuxième, la troisième. Crois-moi qu'à ce moment-là, j'étais bien d'accord d'être à la fin. Et moi, du coup, je devais refaire les pas de tout le monde. C'était trop intéressant parce que on devait se souvenir des pas des autres et on devait interpréter les pas des autres. Ce que j'ai aimé, c'était justement cette question de l'interprétation, parce qu'en fait c'était difficile de se souvenir, on avait vu le pas que finalement une ou deux fois, c'était difficile de se souvenir, il fallait se souvenir, intégrer et refaire, et en fait on avait une certaine liberté d'interprétation et c'était plutôt cool. Donc on a fait ça plusieurs fois et après en fait l'exercice s'est corsé. Parce qu'ensuite, on devait toutes passer et refaire la chorégraphie. Donc la première devait refaire toute la chorégraphie, de tout le monde. Et elle avait la condition en plus qu'elle était libre d'interpréter les pas comme elle voulait, à la condition d'essayer de reprendre ce qu'avaient fait les autres. Et là aussi, c'était intéressant parce que ça faisait travailler la mémoire. Moi qui suis pas une danseuse professionnelle par exemple, j'ai du mal à voir une choré et la refaire. Je sais faire ce genre de choses dans la danse à deux, mais seule je sais pas. Donc ça m'a permis de travailler ma mémoire de la danse. Et puis j'ai trouvé ça très intéressant d'intégrer les pas et du coup la sensibilité, et moi je l'interprète comme ça, du coup la vibration et l'énergie d'une autre personne. C'était super marrant, on a eu beaucoup de fou rire et on s'est bien amusé à le faire. Et c'était drôle parce qu'en fait,
on se souvenait pas. Et donc les pas, c'était un truc en mode ça ressemble, ça pourrait être ça, mais c'est pas vraiment ça. Et ensuite, en fait, ce que nous a demandé Jessica, c'est de passer par 4, de passer par 4 et de refaire toute la chorégraphie comme on voulait et comme on l'avait interprétée. Et on devait être ensemble et créer un espèce de truc ensemble commun, mais on était libre d'interpréter et on devait faire en fonction de sa mémoire, de son souvenir et de comment on avait intégré les pas, et on devait le faire devant les autres. Et là aussi, c'était assez impressionnant, mais c'était quand même hyper intéressant parce que fallait se connecter et devenir une équipe en 2 secondes avec les autres meufs. Et j'ai vachement adoré parce que moi, ça m'a fait me rapprocher de certaines filles du groupe, et ça faisait, c'était que mon 3e cours, donc on n'était pas encore genre des super potes. On commence. Ça m'a fait me rapprocher des filles et c'était super chouette en fait de voir ces filles qui finalement faisaient ce qu'elles voulaient, mais connectées à d'autres meufs qui avaient fait les choses avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était trop chouette. J'ai vraiment aimé cet exercice. Et le dernier exercice qu'on a fait ce jour-là, c'est qu'en fait, on devait à la fin refaire notre propre chorégraphie comme on voulait, donc modifier, mais en faisant des petits rappels à ce qu'avaient les autres meufs. Et on devait passer les unes après les autres pour faire seule notre chorégraphie ou... Non, je crois qu'on passait à plusieurs, pardon, on passait à plusieurs pour faire seule notre chorégraphie et on avait le droit de rajouter des pas, de faire ce qu'on voulait. Et je pense que c'est un exercice qui est très intéressant et très important parce qu'en fait, dans mon bloco, il y a plein de passages. Donc, dans le bloco de carnaval, si tu sais pas ce que c'est, je t'ai fait une longue vidéo pour expliquer. Mais dans mon bloco, il y a plein de passages où, en gros, tous les gens du bloco se mettent autour de nous, c'est-à-dire à peu près 500 ou 1000 personnes. Et les filles, chacune après les autres, on doit faire des solos. Et pour l'instant, je pense que nous, les nouvelles, on est au stade où on n'est pas encore confiante. Moi, je suis pas encore assez confiante pour faire un solo devant les 500 ou 1000 personnes. Et donc, pour l'instant, c'est les anciennes qui le font et je te mettrai des images de ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on n'est pas assez confiante. Mais je pense que ce type d'exercice va me permettre de devenir de plus en plus confiante. Sachant que tous les pas qu'on a fait, c'était des pas qui devaient être inspirés des onsas, c'est-à-dire des félins, et qui devaient être inspirés de l'esprit du bloco. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit développer. Et l'idée, en fait, que nous insufflait Jessica, la prof, c'est qu'en gros, tout, on doit trouver quel onsa on est. On doit trouver quelle féline on est. Et on doit trouver notre manière, en fait, d'exprimer notre féminité. Et je sais pas si ça dit notre félinité. Je sais pas si ce mot existe. Mais on doit trouver des manières d'exprimer ça. Et du coup, on doit s'entraîner à comprendre quelle est notre manière. Et je crois que le fait de s'inspirer les unes des autres et d'interpréter et personnaliser, ça va nous permettre d'avoir comme une certaine à la fois unité de groupe et en même temps une personnalité propre. Voilà. Je pense qu'on a fait d'autres choses pendant le cours, mais je m'en souviens pas, donc ça devait pas être significatif. Ça m'a vraiment marqué. Je te mets des images de ce qu'on a fait. Te moque pas trop de moi. Je suis ridicule. Je ne suis pas encore une ansa, d'accord? J'ai essayé d'interpréter tant bien que mal. Mais c'était chouette. Je te mets des images des filles, je te mets des images de moi. Et j'espère que toi, ça pourra t'inspirer. Et j'espère surtout que ça te donnera envie de danser. Parce que c'est beaucoup aussi pour ça que je te fais ce journal de danse. Dis-moi si ce format te plaît toujours. Moi, j'aime bien partager avec toi ce que j'apprends. Chaque semaine, je trouve ça intéressant. Donc dis-moi si tu aimes. Et voilà. Et là, j'ai hâte de te tourner le prochain journal de danse parce que le cours d'après était hyper intéressant. Je t'embrasse très 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 fort. Ciao.
Os moleques tão, pode até gravar, mas calma aí, não me interfere. Por favor, então não se mete, se você quiser, repete. Então, chego no meio da levada, bandido, você tá ligado, fumando no back. Eu fumo mais um back, eu fico uma chapada. Às vezes eu tô meio que assim, às vezes meio travado, mas tô sempre acumulado de rima bolada. E é isso aí, então tu sai pro lado, que senão eu te...